salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aux nouveaux et nouvelles abonnés, ça fait extrêmement plaisir de vous voir ici. On se retrouve pour un nouvel unboxing, pour quelque chose de spécial. Quelque chose qui m'a quand même coûté un petit peu cher, parce que les gravures ça coûte cher. Mais en gros, on se retrouve avec un produit complètement personnalisé par rapport à la chaîne. Dans le sens où je suis un grand amateur de produits Opinel. J'ai un couteau à peu près dans chaque sac, il y a de la place, je veux dire, sur ça, c'est prévu. Donc, mais assez Opinel pour ça. On n'est toujours pas sur un partenariat, un placement de produit, simplement que Opinel ont quand même des produits de grande qualité depuis longtemps, et ça, leur renommée n'est plus à faire. Mais je me suis dit que j'allais me faire un petit kiff pour la chaîne, pour avoir passé les 1000 abonnés et également pour tendre vers les 10 000 abonnés, d'avoir un Opinel complètement personnalisé, que j'ai pu faire ça sur leur site internet. Donc c'est l'édition un petit peu pêche comme vous pouvez le voir. Donc là, ça c'était quelque chose de standard. On est sur un Opinel numéro 8. Tac, voilà, on l'ouvre. Comme ça vous allez le voir, je vais le découvrir en premier parce que c'est un petit kiff. Oh oui. Oh oui, mesdames et messieurs. Et voilà les gravures que je me suis faites. Donc, Savoyard 73-74, parce que bon, j'ai pas mal le cul entre la Savoie et la Haute-Savoie. Et le beau nom de la chaîne en tétard prévoyant, parce que ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Donc voilà, d'avoir un Opinel complètement personnalisé au nom de la chaîne. Si vous vous demandez, ça coûte un peu cher de personnaliser chez Opinel, mais bon, je me suis dit qu'on pouvait faire une petite folie pour tout ça, et puis pour vous remercier également tous depuis des mois et des années de liker mes vidéos, de mettre des commentaires de temps en temps sur des choses qui sont assez récurrentes, et toujours voilà, pour remercier également les abonnés qui sont là depuis le début et ceux qui font découvrir à d'autres sur la chaîne. Donc je me suis pris donc un Opinel numéro 8 avec une petite... Ouais, pourquoi je m'emmerde en fait, j'ai l'Opinel, j'ai de quoi couper le papier, je le fais pas. Hop là, on va le laisser comme ça. On va y aller tranquille parce que si je coupe le reste, je vais avoir le seum. Voilà. Et parce qu'on a une belle pochette avec. En gros, ce qui va se passer, c'est que prochainement, sur l'année, le milieu de l'année 2023, vous allez peut-être voir de temps en temps des vidéos de pêche parce que j'ai du matériel de pêche depuis des années. Et ça fait également des années que je ne m'en suis pas servi. Donc pour l'année 2023, je vais me remettre à la pêche. Et du coup, je voulais avoir un Opinel exprès pour cette occasion-là. Donc, le bel Opinel de pêche, tétard prévoyant, savoyard, parce que c'est Bibi. Et puis voilà, pour avoir ça dans le matériel, pour être sûr de toujours être au top. Et, oh là là, comment c'est beau, regardez-moi cette beauté. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc voilà. En mode clip ceinture, et au cas où, bah, toujours à garder dans le sac pour être sûr d'avoir du matos de qualité pendant des années. Donc voilà, ça me fait vraiment kiffer. Je me suis fait ce plaisir là. Ça faisait longtemps que je voulais me faire un Opinel personnalisé. Bon, voilà, bah, il y a le bon de commande, tout ça. Donc voilà, le petit produit, toujours facile à acheter. Vous en trouverez également dans les armureries, etc. Dans les Décathlon, ils vendent aussi des Opinel, mais l'Opinel personnalisé, ça, c'est à faire uniquement sur le site internet d'Opinel. Donc, vous aurez ça évidemment en description, je vous montrerai ça. Et puis, bah, n'hésitez pas à acheter et faire tourner l'information. De toute façon, la renommée d'Opinel n'est plus à faire depuis des années, mais je me suis fait ce plaisir et franchement, c'est magnifique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. Un petit commentaire si jamais vous posez des questions sur tout ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! C'est beau, mais c'est beau!